Bonjour à tous, Ludovic Bulto, 43 ans, franchisé Daniel Moquet depuis 12 ans, sur Orléans. Donc, j'ai actuellement 6 salariés, mon épouse qui gère la partie administrative et moi-même. Alors pour moi, le déconfinement depuis hier, il n'a pas changé grand-chose. Parce que pour moi, mon métier, je suis à l'extérieur. Et j'ai eu la chance de recommencer plutôt que tous mes collègues restaurateurs et autres et amis dans différentes usines. J'ai pu, moi, au bout de 4 semaines, reprendre à peu près correctement avec mes salariés. Pour mes salariés, en fait, vous voyez ici, alors je ne sais pas si on voit bien. Donc ici, c'est le parking du personnel. Donc les gars se garent toujours au même endroit. Et puis derrière, ils ont accès toujours à la même porte. Aujourd'hui, ce qui change pour les salariés et pour moi-même, donc c'est cette table qui sert normalement occasionnellement, mais là, elle sert tous les jours, ce qui nous permet de faire le briefing, parce que, on fait tous les briefings dehors avant que les équipes partent sur chantier. Voilà. Après, pour le salarié en lui-même, bon, il a toujours le même accès. Là, vous voyez toutes les tonnes de matériaux. Et en fait, au niveau vestiaire, aujourd'hui, ce qui a changé, vous voyez, c'est un vestiaire pour plusieurs personnes. Mais par contre, maintenant, ils ne rentrent que un par un si la personne n'est pas habillée avant de venir au travail. Après, vous voyez les affiches ici, Corona. Vous voyez ici le savon qu'on utilise toute l'année, qui est un savon spécifique pour les employés. Mais ici, ce qui a été rajouté, c'est effectivement lingette, désinfectant et sopalin. Donc voilà, donc ici, les salariés ont ce qu'il faut pour le matin et le soir pouvoir se désinfecter, se nettoyer. Et puis, bien évidemment, pour ceux qui le souhaitent, la douche, parce que certains souhaitent rentrer chez eux, doucher. Voilà, ce que je peux comprendre. Voilà pour la partie de salariés. Et pour la partie clients et bureaux, je vous propose de rentrer par l'entrée principale. Donc là, bien évidemment, les salariés ne rentrent pas. Donc ici, pour la partie clients et bureaux, voilà, vous voyez tout simplement ici le bureau. Donc seulement 2 personnes rentrent ici. Après, on a fait le nécessaire pour les clients qui viennent avec quelques produits, quelques affiches. Mais voilà, l'essentiel est fait. Ici, il n'y a que mon épouse et moi. Donc on n'a pas mis de normes et de barrières particulières. Voilà pour l'organisation bureau. Ensuite, par rapport à la partie bureau, je vous propose les 2 cas de figure différents, ce qu'a changé le Corona. C'est tout simplement les chantiers où on a mis des choses en place par rapport au protocole. Et puis aussi les rendez-vous clients qui aujourd'hui se passent exclusivement dehors. Voilà. Voici le deuxième cas de figure. Maintenant, après avoir été sur la partie bureau, voilà la partie chantier. Donc voilà, vous avez aujourd'hui Pierre et Anthony, qui sont tous les deux en train d'œuvrer sur une terrasse en grès cérame. Et donc, vous voyez bien, ils respectent la distanciation maximum. Le but, vous voyez là, ils ont un peu plus de 2 mètres d'écart. Bon, après, il y a un poste coupe et un poste pause. Voilà, c'est comme ça qu'aujourd'hui, on essaye de travailler et de respecter tout au long de la journée le protocole. Après, je peux vous montrer en suivant, on va aller voir l'intérieur d'un camion. Pierre, si tu veux y aller, on va vous montrer comment aujourd'hui un camion est organisé. On n'a pas changé beaucoup de choses, mais on a mis en tout cas les produits nécessaires. Alors, là, on suit et on va vous montrer. Donc, on a exposé les produits aujourd'hui que l'équipe utilise. Donc, vous avez 2 gels, vous avez le sopalin, et puis on voit bien dans le camion que les gars respectent la distanciation d'un mètre demandée par le gouvernement pour une équipe de 2 personnes. Voilà comment on travaille aujourd'hui. Nous voici pour le troisième cas de figure, donc le rendez-vous client. Aujourd'hui, le rendez-vous client, les réflexes ont un peu changé. Le premier réflexe que nous avons adopté, en tout cas que j'ai adopté depuis 3 semaines, c'est le gel. Comme vous pouvez voir, je me lave les mains avant de prendre mes outils commerciaux et d'aller voir mes clients. Donc aujourd'hui, la technique, c'est ça. Le rendez-vous se passe uniquement dehors. On est sur les maîtres, le technique, le goût des clients. Et ensuite, en fonction de cela, on leur envoie un devis dans les jours qui suivent.
Et si des personnes sont intéressées, donc depuis hier, on peut bien évidemment les recevoir par notre forum que vous avez vu tout à l'heure. Et donc, les choses ont un peu changé. Mais en tout cas, ça fait plaisir de retrouver des clients et surtout des futures commandes dans les jours qui viennent. Voilà. Difficile, effectivement, les deux premières semaines, comme il n'y avait pas de salariés, la question est celle qui a été essentielle pendant ces deux premières semaines, c'est comment s'attribuer les produits, que ce soit les gels et les masques. Donc voilà. Mais après, quand les salariés ont repris, faute de trouver des masques et du gel, on a tout simplement mis en place le savon qu'on utilise sur les chantiers, mais on l'a mis régulièrement où les gars se lavent les mains 8 à 10 fois par jour, minimum, à chaque fois qu'ils ont un contact étrange ou différent. Voilà. Donc c'est ça qui a été mis en place très rapidement. Voilà. Et la tête de réseau là-dessus nous a aidé pour s'attribuer des produits grâce à notre acheteur qui nous a tout de suite mis en relation avec divers fournisseurs. Donc moi, très rapidement, l'un des fournisseurs en question avec qui je travaille m'a sollicité et m'a fourni des gels de grande capacité. Donc aujourd'hui, c'est ce que nous avons mis en place dans les camions de chaque gars. Et donc ça a demandé un petit mois. Mais ensuite, la tête de réseau, on a fait beaucoup de visio qui derrière ont remonté le moral des troupes. Et puis, ce qui a été super de la part du réseau, c'est que ces visions, on s'est rendu compte que ça devenait aussi un moyen sur lequel on allait tout nouvellement pouvoir profiter. Et puis là, le réseau a, lui, tout de suite, dans la phase de relance, mis en place des portes ouvertes virtuelles qui vont avoir lieu ce week-end, qui sont aujourd'hui un moyen pour nous de montrer à nos clients et à nos futurs clients qu'on est toujours là. De continuer à protéger mes salariés, qu'ils travaillent dans une bonne ambiance, d'être heureux au travail comme je l'étais avant Covid, et puis aussi toujours rendre heureux mes clients. Voilà, ça c'est ce que je souhaite.